Yo les gens, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play sur The Last of Us Part 2. On s'est arrêté ici avec notre cher bateau et on doit ouvrir cette grille, mais on veut surtout aller dedans parce qu'il y a du stuff. Donc c'est parti, let's go baby. On va aller voir ce qu'il y a là-bas. Ok. On va pas utiliser une palette. Non, non. Fait chier, il y a du mat. Ah bah c'est ça, ok. Voilà, c'est bon, ça va. Ah putain, il a ça enlevé avant. Je peux pas le bouger. Ah ok. Les enfoirés. Les enfoirés. Où ça mène ça? C'est pas bien de faire ça. Ah c'est bien, c'est bien. J'ai galéré au moins, bien joué. Oui. 70. Je sais plus. 70, 12, 64, c'est ça. 70. 12, 64. Voilà, on était bien. Alors, Soixante-dix. Douze et 64, le numéro complémentaire. Ouais. Ça c'est quoi? Confection rapide. Ça c'est à fond. Ça c'est quoi? Retenir la respiration. Ça c'est confection des pièges bleus plus mortels quand on tire plus longtemps. On va essayer de faire ça. Respiration bloquée, je pense. Ah, je peux le faire en plus à Libby. Voilà, c'est bon, c'est fait. C'est sympa. Petit à petit, on va améliorer tout, hein. Petit à petit. Ok, maintenant on peut se casser. C'est bon. D'accord. Mais j'allais abandonner là, je me suis dit, le truc qui marche pas, vas-y, j'arrive. Mais non, mais. Alternative, ah ouais, non, mais c'est bon, on va garder celle-là. Ah, c'est une blague. Bordel. Non, tu rêves pas, on va être emmerdé, tu vas voir. Oh, un établi. T'as bien, on a combien des établis? Ah bah. J'ai eu un trophée sur le terrain. Ok, j'ai eu tous les établis. Ok. J'ai rien dit. On peut pas dire que j'ai pas fouillé, hein, putain. Qu'est-ce que je peux faire là-dessus? Laisser la crosse pour la stabilité de l'arme. Non, pas. Peut-être le pompe. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le pompe? Un grand lycée tu mets pas augmenter la capacité. Ah, peut-être la cadence des tirs. Peut-être plus intéressant. Bon, c'est bien, on a eu des trophées, c'est cool. Enfin, un trophée. Oui, c'est pas fiché comme d'hab. Mais moi je l'ai vu.
Bon, bah écoute. Donc là, ça veut dire que là, c'est le dernier établi. Après, il n'y en a plus. Parce que j'ai fait tous les établis. Donc là, c'est le dernier des derniers. Ouais. Du coup, je vais retourner là-bas. Est-ce qu'il y avait un endroit où on pouvait y aller? Putain, on peut aller là aussi. Attends, j'avais un autre endroit là, non? Merde, je sais plus. Ouah, c'est trop bien fait les effets du bateau sur l'eau. C'était là? Se déchire. C'est trop stylé. Waouh. C'est putain de stylé. Je viens de là déjà. Je viens de là-bas. Je sais pas si on va là. Oh, j'ai tapé dans ta tête, monsieur, pardon. Par contre, des armes, j'en ai pas trouvé beaucoup. Je pense pas que j'ai toutes les armes. Il y a des nouveaux types d'infectés. Ah, bah ouais, on les a vus. On les a vus, t'inquiète. On peut passer en dessous là. C'est quoi? Est-ce qu'on l'améliore? Ah, allez, vas-y. Y a rien, j'ai cru. J'ai pas envie que ça se termine ce jeu. Non, non, j'ai pas envie. Vivement la partie 3, hein. C'est le gars, il a même pas fini de quoi. What the fuck, man? Il s'est foutu sur la gueule. Ça, c'est cool que les mecs se foutent sur la gueule quoi, en fait c'est cool. Par contre il marche contre le mur là, on est d'accord? Ah, t'avais bugué mec. Combien là? Ouah, elles sont beaucoup trop. Elles sont beaucoup trop. Ouah, elles sont beaucoup trop les gars là. Comment je fais pour y aller moi? La pression qu'ils mettent avec les musiques, c'est impressionnant. On peut pas jouer aux fléchettes, merde. Si je tire une flèche dedans, y a pas un trophée. En vrai, c'est le bon plan d'essayer de les fumer ou... Il faut juste que je me casse quoi.
sait jamais hein, si ça marche. Oh putain, j'ai eu peur, c'est mon piège, mais il m'a fait peur quand même. Obligé de les affronter. Fini. J'étais pas obligé, pourquoi je l'ai fait. J'espère qu'il y a du stuff. Hein. Bon, on a une flèche. Bien. C'était une ligne des actions les plus réfléchies que j'ai fait depuis le début du jeu, alors que c'était pas ouf quoi. Ah. Pardon, hein, c'était j'ai laissé une bombe et ben voilà quoi. Voilà ce qui arrive quoi. Désolé. Non, pas désolé. Ouais. Est-ce qu'on a du stuff? Oui. Hop. Quoi, une flèche qui est explosive en plus. Je prends. La tresse et tout, c'est pas habillé au moins ça? Non, non je pense pas. Il voit un culte à une meuf chelou quoi. Ouais. Bah écoute, on a fait le taf. Hein. On a fait le taf. Aïe 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 aïe. Les bruitages, l'ambiance, c'est toujours incroyable, je te jure. T'as l'impression que ça s'arrête pas en fait, je sais pas comment expliquer. C'est. Peut-être récupérer mon bateau, non? Je sais pas si c'est mieux de prendre le bateau ou. Dans leur bateau, il y avait rien. Ah si. Ça me fait peur. Moi j'ai peur. Ah. En vrai ça va, je trouve que je fouille bien quand même, il y a quand même plein d'endroits où j'étais. Bon, je pense pas que j'ai tout fait hein, bien sûr, mais en vrai je fouille pas mal d'endroits. Qu'est-ce qu'on va... On va garder ça. Pour l'instant il nous réussit pour tout. Pour les quelques balles qu'on met. Il faut être bien prêt par contre si tu veux les buter, parce que même la tête des fois faut vraiment être dessus quoi. Ah, il est là-bas. Bon, on reprend le bateau puis on se casse. Putain, mais imaginez un multi sur ce jeu. Parce que normalement le multi, voilà, comme je vous avais déjà dit, j'ai vu les vidéos du multi. Mais si vraiment il se fait, parce que peut-être il est abandonné, je pense pas. Mais s'il se fait, putain, qu'est-ce que ça va donner quoi. Imaginez les parties de malade que ça va être. Oh cool, la statue. Ah si, on peut y aller. Moi je vous dis je suis chiant, je regarde partout. Ah puis peut-être c'est là que faut aller, tu vois. Non. Déplacer. Il y a quoi là-dedans? Ah d'accord. Je sais pas si je le jette là. Non.
Franchement, ça sert à rien ce que j'ai fait. Non. Parce qu'en vrai, je peux pas me balancer comme ça là. Non. Comment on fait pour se balancer déjà? Je me rappelle plus. Voilà. Oula, ça... elle s'est mise direct par là. Encore une fois, on le fait bien. Bien, Ellie. Je veux dire, y a rien. Y a du stuff, ma gueule. Pas beaucoup, mais y a du stuff, ma gueule. Encore une note. J'ai appris que tu en passais, je vais te donner notre attention. Le skier, son fils, qui rencontre un peu de l'air. Il fait la photo, j'ai aussi des snipers, tu peux les infecter quand le skier traverse le terrain. Charger tout ça. Très très bien. Attends, je peux pas sauter de là là. En vrai de vrai. Bon, on saute hein. Bah ouais. Bah ouais, on saute hein. Récupérer le bateau, putain! Comme quoi, en fait, les zones faut bien les fouiller. Et je suis sûr que je passe à côté de plein de trucs. Sûr et certain. Désolé mais je crois que je peux aller par là-bas en fait. Sur la gauche j'ai vu un truc. Ah bah non c'est moi, je suis de là tout à l'heure. Ok. Non, fais marche arrière un coup. Putain, je galère. Voilà. On continue. C'est Just là, non, pour passer. Quoi? Pour la séquence en bateau, c'est vrai que c'est un peu chiant en fait, c'est un peu long, je trouve. C'est bien, mais ouais, c'est bien, mais pas trop, tu vois, c'est bien. Point trop d'infos. Est-ce que je peux faire quelque chose avec ça? Non, toujours pas. Ok. Je vous jure que j'ai vraiment l'impression d'être sous un orage, j'ai l'impression qu'il drache, ouais, c'est de schnorr, j'ai l'impression qu'il vraiment qu'il y a la pluie, quoi. Ah, c'est quoi ça? Nuit du grand fruit sans antiquer, nanana. Machette elle est pleine aussi. Putain mais. Ege? Berk. Ça on a déjà joué à ça dans le DLC de The Last of Us, non? Alors c'est bien beau de ramasser des pièces mais bah il y a encore un établi. Pourquoi j'ai eu un trophée de tous les établis alors qu'il y en a encore? On a combien d'établis en tout? Il va falloir en trouver genre 10 et c'est bon? Non, je sais pas.
Putain de merde. Ah ouais. Ah, ça on connaît ça. The Turning on Jackknife. Ça, on Jackknife. Quoi, regardez-moi ces effets de lumière. Putain, c'est photoréaliste, mon pote. Le truc de fou. Wouah. Vas-y, t'es pas le fond d'écran, quoi. Ouais, sérieux, c'est... Je crois que c'est ça. Allez. La porte, peut-être? Ah non, là-bas, ok. Ok, ok. Bon, pareil, j'essaie de faire un épisode de colosse. Oh! Ça, ça pue colosse. Oh putain. Putain de colosse! Y'en a combien? Y'en a combien? Yo 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 yo. Qu'avant les colosses. Je savais que ça puait le colosse parce qu'on l'a, on a vu un petit extrait comme ça où Ellie elle tombait à un moment. Dans le trailer. Heureusement que j'ai maté tous les trailers, moi je vous le dis. Parce qu'il y a des moments où je me suis pas trop fait surprendre. Mais là. T'es face à face avec un colosse normal quoi. J'ai une brique, j'ai même pas pu quoi. Ma machette, non, je la garde. Je peux pas l'améliorer d'ailleurs, non. Comme quoi, elles ont servi mes bombes là. On va refaire. Et je lui ai mis quoi? 3 molotovs, 2 bombes. 3 molotov, 2 bombes, 2 balles de revolver, 1 balle de... 2 balles de pompe. Bon, du stuff hein pour Pourquoi il laisse le truc? Ça doit être un bug ça. Bon, du stuff hein pour buter un colosse. Nous on l'avait vu avec Joël la dernière fois mais alors... Et ce qui est bien tu vois c'est pas genre ils te mettent 15 colosses tu vois. C'est répétitif. Moi, quand tu tombes contre un colosse, t'as la pression tout de suite, quoi. Je le sens pas trop. Ok. C'est Worms. Attendez, je regarde juste le temps. Je sais même plus quand j'ai commencé. Je crois que ça fait une demi-heure d'épisode à peu près. Je crois.
pas jouer aux fléchettes là. J'ai entendu une porte s'ouvrir. Les affectés, j'y pense qu'ils s'ajoutent au moment où t'as un colosse. C'est pas très gentil. C'est pas très sympa quoi. Ouah, l'écran! Ah, je voulais le casser bien. Dommage. Bon, bah écoute. Ah, de base, je devais faire ça, ok. Ok. J'ai pas capté que je vais faire ça. J'ai pas capté. Bon, on va refaire nos bateaux, écoutez. Comme je vous dis, c'est sympa le bateau, mais faut pas que ce soit du bistrot. Par contre, pourquoi le bateau est en écran d'accueil? C'est que ça, il doit avoir une raison. Pourquoi juste le bateau comme ça? Descendre du bateau là. Oh, il y a la tempête là. T'es sûr que c'est le bon plan, lui? J'aime pas vraiment, c'est limite une phobie. Hein. C'est ça qu'on voyait aussi dans le trailer, ok. Imagine, on voit bien la défense. Imagine, ce serait beau. On va avoir un autre délire, c'est sûr.
Attends, je suis paumé là. Je suis paumé. Ah là là, le style. Le style, mon pote. Ok. La musique là me met pas bien. Du tout, du tout. Putain, je suis pas confiant. Je suis pas confiant, je sais, mais... Le malaise. Ils aiment bien nous mettre à chaque fois les pieds dans l'eau et tout. C'est beau, c'est très très beau. On va peut-être améliorer la machette. Pas la refaire quoi. On peut pas passer. Cet aquarium, cet endroit vraiment chelou. Où est-ce que tu te caches, bordel? Où est-ce que tu te caches, pétasse? Merde. Donc là, je peux pas péter un carreau, je pense pas. Si, je peux le péter là. Il y a sûrement un autre chemin. Dedans. Yes. Putain, c'est de plus en plus glauque l'ambiance, c'est ouf. Ce coup d'amène, si tu veux.
tout seul là. Mais t'as pas des munitions là ? Tant pis. Ah, y'a pas de munitions, putain. Ils nous font quoi là? La musique. The music is terrible. Non. Attends, je sais pas de quel côté aller. C'est sûr, il y a des gens. Ah. Oh ouais. Sérieux. Petit con, ouais, petit con. Conduit qui mène non je sais pas ok tout y aimait faire excellent. En vrai je pense que je vais pas avoir besoin du silencieux là. Bizarre, on me donne des munitions. J'aurais bien voulu ouvrir la porte là. On est bien en step là ou pas? Je peux pas voir le nombre de munitions et tout, c'est qu'il va y avoir une scène ou un truc comme ça. Personne ne revient de cette île. Combien de fois Abby a risqué sa vie pour toi? Elle a fait son choix, moi j'irai pas la chercher. Alors rentre! Va-t'en! Va chier, Owen. Mets en l'air! Où est Abby? C'est toi la fille à Jackson. Dites-moi où elle est. Tu promets de nous épargner. Si tu lui dis, elle va nous descendre. J'ai aucune raison de vous tuer, c'est elle que je veux. C'est des conneries. Toi. Approche. Amène-toi, putain! Montre-moi où elle est sur la carte. Ensuite à toi. T'as intérêt à ce que ça colle. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Elle est sûrement déjà morte. Ça vaut pas le coup. Stop! On peut parler. Recule, connard! Montre-moi où elle est. Mâle-toi, putain! Désolé, même si t'étais enceinte, tant pis. Dis-moi où est Abby. Où elle est, putain? Ah oui, elle est enceinte, on le sait que ta copine est enceinte.
honnêtement, je m'en branle. Hein. J'aurais pu être choqué, je suis pas choqué, je m'en fous. Pour Ellie, ça devait être dur. Allô. Allô. Oh, 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 oh. Tout va bien. Eh bien, on s'en va. On s'en va. Tout va bien. Ah, cette musique. Ah là là. Bien, bien, bien. Écoutez, moi j'ai bien envie de m'arrêter là. Donc ça fera un épisode peut-être un peu plus court, mais où il y a eu un petit peu d'ambiance, on va dire. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. On va avancer un petit peu voir Tommy et Jesse, en savoir un petit peu plus. Et puis on s'arrêtera là, je pense. Je pense que ce sera bien. Ouais, j'aime bien me compliquer la vie et passer là. Ça va pas le faire, il y a de la neige partout. Non, d'ici à ce qu'on arrive, tout aura fondu. Où est-ce que tu vas? J'avais besoin d'air. Qu'est-ce que vous faites debout? Insomnie. Viens jeter un coup d'œil. L'idée, c'est de rentrer en passant par Ellensburg. Si on atteint Fall City demain, on avance bien. Eh. Ils méritaient ce qui leur est arrivé. Mais elle est encore en vie. Ouais. Tu peux l'accepter? Ouais, faut bien. Je me serais bien passé de traverser l'Idaho encore une fois. Ce qui devrait te préoccuper, c'est la réaction de Maria quand elle te verra rentrer. On a connu pire. Mais au cas où, je suis passé par un quartier chic quand j'étais en ville. Et j'ai aperçu un collier. Il est bien brillant, je crois que c'est de l'or. Ouais, ça c'est ce que tu crois. Je te dis que c'est de l'or. Vas-y, fais voir. Je sais reconnaître de l'or. Hein. Si c'est bien de l'or, on peut faire cadeau commun. Débrouillez-vous tout seul pour l'amadouer. Ça va, toi? Ouais. Ellie. Ça va. Merci de pas m'avoir laissé tomber. J'abandonne jamais mes amis. Toujours le même refrain. D'accord. Alors disons que mes amis savent pas se démerder. C'est mieux ça. Merde! Jesse! Lève-toi!
plus les mains en l'air ou je bute l'autre. Fais pas ça, Ellie. Fous le camp. Lève-toi, j'ai dit. N'écoute-moi, je te dis. Tu la fermes. D'accord. Arrête. Stop. Jette ton arme. Jette ton arme. Merde. Je sais pourquoi t'as tué Joel. Il a fait ça pour me sauver. C'est ma faute, y a pas de remède. C'est moi que tu veux. Relâche-le. T'as tué mes amis. On vous avait épargnés. Et voilà le résultat. Quoi? Quoi? Attends, en plus, putain, Jesse. Et je l'avais dit. Il y a très longtemps, j'ai dit qu'il allait avoir un destin de merde. Papa! 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 Où il est? Alors, je vous jure, j'ai vraiment envie d'en savoir plus. Mais qu'est-ce que je l'emmerde, Abby, même si elle a une putain d'histoire de fou. Qu'est-ce que je l'emmerde. Connasse. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Prochain épisode. Là, je le sens mal, je crois qu'Ellie, elle va mourir. Tu ne la fais pas incarner comme ça, machin. Ellie, elle va mourir. Il va avoir un sale délire. Ah putain. Bref, écoutez, on s'arrête là pour cet épisode. Moi je vous dis à la prochaine pour la suite du Let's Play sur The Last of Us Part 2. Putain, c'est un gros délire. Voilà, bref, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Peace.